Regardez bien ce jeune garçon. Il s'appelle Ponglou. Un jour, il a entendu dire que la ville de Shushia était un paradis. Alors il est parti sur les routes avec son pauvre petit baluchon. Ponglou espère trouver une vie meilleure que celle qu'il a connue jusqu'à ce jour. Il a décidé de sortir de la misère. Peut-être espère-t-il aussi retrouver sa mère qu'il n'a jamais vue. Longtemps que je marche, j'en peux plus. Yeah. Merci, madame. Dieu vous le rendra. S'il vous plaît, ayez pitié d'un pauvre homme qui n'a rien mangé depuis 8 jours. Monsieur, ayez pitié. Faites charité. Faites charité. S'il vous plaît, monsieur, pitié. S'il vous plaît, faites charité. S'il vous plaît, monsieur. Pitié, monsieur. Ayez pitié d'un pauvre homme. Ayez pitié, monsieur. Donnez-moi une pièce. J'ai faim. Pitié, une pièce. Juste de quoi acheter un bol de riz. Soyez un peu plus généreux. Ayez pitié, s'il vous plaît. Mademoiselle, pitié. S'il vous plaît. Oh, et que veux-tu? De quoi acheter du riz? Ayez pitié de moi. Ça suffit. Oh, petit voyou, lâche-moi. Oui, mais donnez-moi de l'argent. Oh, veux-tu me lâcher? Tiens, voilà. C'est tout ce que j'ai. Mademoiselle, je sais pas assez. Allez. Tu es un sale petit voleur, c'est tout. À bientôt, j'espère. Pitié, 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 pitié. Aidez un pauvre homme. Ayez pitié d'un aveugle. Faites charité. Ayez pitié. Dieu vous le rendra, pitié. Ayez pitié de moi, j'ai rien à manger. Pitié, pitié, Dieu vous le rendra. Je suis aveugle. Ayez pitié. Oh, oh! Au volant! Arrêtez-le! Oh, non, j'ai... Oh. Arrêtez-le! Il m'a volé! Sale voleur! Prends-moi mon argent! T'as pas le droit! Je suis un gros rabat! Attends, il va... Cesse de rire, Ito. Ne le laisse pas s'en aller. Eh oui. Laissez-moi. Tu m'as fait tomber, je vais te corriger. Non. Fous le camp. Tout ça est arrivé par votre faute. Et vous l'avez laissé faire. Ça n'a pas l'air aussi simple. 100 francs. Ça fait 100 francs. Merci.
Allons-en. Au revoir. Elle est belle, hein? Ne regarde pas ce petit mendiant. Oh. Oh. Ah, ce n'est rien. Partons d'ici. Oh, ma poupée est tombée dans l'eau. Laisse-la, elle est sale. Je t'en acheterai une autre demain. J'en suis sûr. Moi aussi. Tu le connais? Non. Et toi? Non plus. Regarde-le. Oh, quelle maîtrise de soi. Maître, je n'arriverai jamais à apprendre le kung-fu. C'est trop difficile. Tais-toi, Nico. Si tu veux t'en sortir dans la vie, tu dois apprendre le kung-fu. Allons, plus bas. Encore. Allons. Plus bas. Bravo, bravo, Tristan. Oh, pas si terrible que ça. Tiens, attrape. Tiens. Hop là. Merci, messieurs. C'est gentil. Je vous remercie beaucoup. Hé, hey. C'était un très beau numéro. Je vous remercie, monsieur. Tu es très gentil. Ah, un autre. Oui. Voilà. Attends. C'est passé? Non, je voudrais la moitié.
Quoi, la moitié? Tu es chez moi, hein? Je t'ai laissé faire ton numéro, alors nous partageons. Oh. Voilà. C'est pas juste, c'est du vol, ça. Adieu. Ah, tu as raison, va-t'en vite de chez moi. Salut, tu me reconnais? Ouais, d'ailleurs, t'as été très méchant avec moi hier, pourquoi? Pourquoi? T'es dingue ou quoi? C'est bien à cause de toi que j'ai pas rattrapé ce voleur qui a volé tout mon argent. Alors rembourse-moi. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Allez, donne-moi de l'argent. Pas question. Fais attention à toi, mon garçon. Tu sais pas qui je suis, hein? Je peux te faire des ennuis. Et aussi... te faire fouetter par mon père. T'auras pas un sou. Hein? Ça fait mal. Tu pensais être le seul à connaître le kung-fu? Regarde-moi. Je t'ai du chat. Parade du chat. Dis-moi, pourquoi es-tu venu dans cette ville? Eh bien, il y a une bande de brigands dans ma ville et pendant une bagarre, mon maître a été tué, je suis seule. Oh! Et tu es parti à l'aventure? Je sens que nous allons être très amis. Allez, buvons à notre amitié. Mon nom est Ping Li. Ping Li? Ping Li? Oui, alors, c'est ça mon nom. Je m'appelle Pong Lu. Comment? Pong Lu. C'est drôle. On t'a battu, hein? Mais je saurais qui a fait ça.
Je déteste que les chiens me regardent, bon. Allez, arrête de rire. Et buvons à présent un Panglou. Et à Pingli. Santé. Je peux pas boire. Ouais, tu dois boire si t'es un homme. Ça te remonte à l'homme. Encore un. Bois. Monsieur, c'est lui qui paiera. Laissez-le dormir juste un peu. Et je vais vous dire que je déteste votre chien et c'est moi qui l'ai battu. Au revoir. Hé, hey, réveille-toi, petit. Allons. Ah non, paix. J'ai plus d'argent, on me l'a volé. Ah oui. Dans ce cas. Ah!
Spanguet. Que fais-tu? Il est là, cherché. Attends. C'est eux, maître. Rentre à la maison. Oh, j'ai mal. Oh. Excusez-le, mademoiselle. Je peux vous aider? Non, merci. Allons-nous-en. De quoi il se mêle, celui-là? C'est ici que nous venons nous cacher. Personne ne connaît notre cabane. Oh non! Buvons à notre ami. Allez, bois. Tu veux encore que je boive pour être sous? Tu crois que je dépense mon argent pour acheter du vin? T'es fou? Regarde ça, c'est de l'eau. Dans ce cas, tu bois le premier. Allez, bois. Cette eau est fraîche. À ta santé. Celui qui nous a parlé, c'est le jeune chou. Il est très gentil. Oui, c'est ce que l'on dit. Et il paraît qu'il est très généreux aussi. Et puis, il a fait toutes ses études à l'étranger. Tout ça, je le sais. Seulement, il y a son père. Oui, et lui, il est très méchant et cruel. La ville entière lui appartient. Il exploite tout le monde. Personne n'ose rien dire, car lui et ses hommes sont très forts en kung-fu. Et il élimine ceux qui lui tiennent tête. Oh, c'est un monstre. Oh, écoute, tu exagères un peu. Dis-moi, Shen-Li, tu penses pas à la même chose? Tu aurais changé, hein? Et tes yeux ont quelque chose de nouveau? Tu m'énerves! Shen-Li, tu es nerveuse. Je crois, Shen-Li, que tu es... Tais-toi, imbécile! Tu rougis, c'est ça! Mais vas-tu te taire? Je vais te planquer une raclée! Tu vas voir! Dodo, l'enfant dodo, l'enfant dormira peut-être. Dodo, l'enfant dodo, l'enfant dormira bientôt. Dodo, l'enfant dodo, l'enfant dormira peut-être. Dodo, l'enfant dodo. L'enfant dormira bientôt. Dodo, mon petit garçon, dors bien. Fais très beau rêve. Bon. Dodo, l'enfant, dodo.
l'enfant dormira. Après la rivière, nous arriverons à la ville de Shuxia. Maître Xixiang, savez-vous que Siapo est très fort en kung-fu? Oh. Ah. Ne t'inquiète pas, car personne ne peut me vaincre. Personne? Attention, nous ne devons pas attaquer. Cette fois-ci, je te pardonne. Oh, c'est gentil, très gentil. Vous êtes bon, très bon, maître, merci. J'écrirai encore au général. Pourquoi? Allez, vas-y. Regarde-moi. Je vais vous aider. Merci. Viens vite. Avec le maître Chou, l'argent a l'air d'être difficile à gagner. Il faut bien manger. Il y a tellement de nourriture, pourquoi pas en voler? Si je me faisais coincer par Foguet, je serais foutu. Oh, Foguet, qu'est-ce qu'il a de si terrible, hein, dites-moi. C'est un idiot, n'ayez pas peur. Fais quand même attention, il peut t'entendre. J'ai pas peur. Laisse-le, je t'interdis. Alors, Foguet est un idiot, hein? Voudrais-tu le répéter dans les yeux? Attention, je vais t'ennuyer. Foguet, hein, dis-moi, que se passe-t-il? Oh, maître Chou, il cherchait à nouveau la durie. Pose-le à terre tout de suite. D'accord, maître. Je vous les laisse.
Chut. Alors, petit? Je suis pas petit. Et d'abord, j'ai un nom. Moi, c'est Pingli. Et lui, c'est Ponglou, mon ami. Très bien. Et la jeune fille qui était avec vous? Oh, Chien-Li, bien. Pong! Pourquoi n'est-elle pas avec vous? J'en sais rien. Au revoir. Au revoir. Ah, mange, regarde. Pour toi, Chien-Li a fait un vrai festin ce soir. Du porc rôti, du hachis de canard. Il y a du poulet au poivron vert, alors choisis. Allez, serre-toi, mange à ta volonté. Regarde, il y a du poisson frit. Tiens, goûte-le, il est bon et surtout très frais. Dites, à quoi jouez-vous? Oh, nous avons l'embarras du choix. Je te propose de prendre un peu de chaque. D'accord, du poulet, du poisson, du canard, assez. Le canard. Maman disait que les filles devaient manger moins pour éviter d'être grosses. Ma mère, elle disait qu'une fille qui mangeait bien, c'était une fille en bonne santé. Oh, elle disait aussi qu'une fille qui est trop grosse donnerait des bébés qui ne feraient rien dans la vie. Ta mère, elle est bien, dit. Évidemment, elle sait très bien faire la cuisine, ma mère, elle sait tout faire, qu'est-ce que tu crois? Oh, la mienne, elle fait des cakes délicieux, des boulettes de mouton, et aussi des petits pains au raisin, et toutes sortes de gâteaux au chocolat. Oh, c'est merveilleux. Chien-Li, dis-nous ce que fait ta mère. Je viens chercher le loyer. Ah. Vous savez, les affaires sont très mauvaises. L'argent ne rentre pas. Aussi, si vous êtes d'accord, je paierai tout ensemble le mois prochain. Bah. Ah, soyez gentil. Monsieur, je n'ai pas d'argent. J'ai entendu dire que ce chien ridicule était tout pour toi. Ah. Ne le touchez pas. Donne ce clef, je vais le faire rôtir. Non, non, ne lui faites pas. Allons, vieillard. Laissez-le, il est très fragile, il est innocent. Mangez-vous sur moi, laissez-le en vie, soyez gentil, je n'ai que lui, laissez-le. Non, 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 arrêtez-le, s'il vous plaît, je vous en supplie, je vous paierai. Je... Est-ce que ça va? Vous n'avez pas le droit de maltraiter les honnêtes gens. Allons, toi, va-t'en. Hein? Me dis voir, gamin. Oserais-tu intervenir dans mes affaires, hein? Ah!
Ah, faites attention. Tu es en train de tout casser. De... Oh, mon Dieu. Attention, Pong. Je tiens. Je vais te mettre des serviettes chaudes. Enlève ton pantalon. Ah non! J'enlève pas mon pantalon. Et pourquoi? Parce que t'es une fille. Très bien. C'est de plus en plus difficile de trouver à manger. Si au moins on pouvait travailler. Et quel travail? Un travail, quoi. Je crois que j'ai une idée. Nous allons travailler, Shandy. Et qu'est-ce que nous allons faire? Dis vite. Toi, t'es un acrobate. Et toi, t'as fait du théâtre. Exact. Quelle est ton idée? Pong et toi, vous allez faire un numéro dans la rue. Tu es d'accord? Oh oui, mon maître en kung-fu m'a enseigné un tas de choses. Pong Lu et Shen Li, les plus jeunes acrobates du monde. C'est extra. Et toi, que feras-tu? Moi? Eh ben, je compterai l'argent. Tu vas travailler comme nous et dès demain, tu commenceras à t'entraîner avec Pong Lu. Et par quoi? Le kung-fu. C'est presque ça. Ou à l'autre. Lève tes bras. Et ne bouge pas. Ne bouge pas. Thank you.
tu vas voir. Oh non, viens avec moi. Alors vous sortez? Tu veux vraiment? Oui, je le veux. Je crois que t'attends. Alors quoi, j'attends? D'accord, je sors. Et tâche de te dépêcher. Ah! Je t'avais prévenu, Jenny. Petit crétin, je vous attends dans la cabane. Pas vu le mien en tout cas. C'est ce que tu crois? Elle a dû regarder entre ses doigts. J'en suis même certain. Oh. Hey, tu oublies. On est des hommes, quoi. Oh, t'as raison. Oui, vieux. Ah, toi, un homme. Et maintenant, mesdames et messieurs, nous allons voir Bonglou dans son numéro d'acrobate. Regardez la souplesse de Bonglou. La roue folle. Et toujours de plus en plus fort. Le public attend. Dépêche-toi. Il a besoin d'être secoué. Allez, secouez-le. Oui. Allez, vas-y, petit. La lame est truquée. Écoutez, on voulait juste vous faire une démonstration. Regardez, achetez-en une à vos enfants. Il est très drôle et surtout très astucieux.
Applaudissons-le. Merci. Merci, merci. Dis-moi, petit, est-ce que tu as demandé la permission de jouer sur cette place, hein? Voici les racketeurs du Siapao. Allez, donne-nous cet argent. Cet argent est à nous, monsieur. Non, monsieur, s'il vous plaît. Arrête de rire, imbécile. Arrêtez! Pourquoi ne les laissez-vous pas tranquilles? Pourquoi les arrêtes-tu? Ce sont les ordres de votre père, Ce sont mes amis. Va-t'en d'ici! Allez, vous autres! Partons! Monsieur, merci de les avoir aidés. Merci beaucoup. Voulez-vous qu'on s'arrête? Ah, d'accord. Alors, ça va? Chien-Li, allez, viens me promener. Oh, laisse-moi, je suis fatiguée. Reste, Ping-Li. Attendez-moi. Chien-Li? Ah, que voulez-vous? Parler avec vous. Alors, parlez. D'abord, je voudrais dire que vous êtes très belle. Dommage que vous cachiez votre corps avec ces vilains vêtements d'homme. Et vous ressemblez à une fille. Chien-Li, je ne voulais pas être désagréable. Même avec ces vêtements, vous êtes très belle. Hé, allons-nous-en. Voyons, ne sois pas jaloux. Laissons-les.
asseyez-vous. Je crois que je vous aime. Oh, ça me fait trop chier. Oh, vous m'empêchez de vivre. Je rêve de vous chaque soir. Oh, c'est vrai. Oui, et à chaque instant de la journée. C'est vrai. Dites-moi, j'aime quand vous parlez. Oh. Oh, je vous déteste. Pourquoi tout ce monde, hein? Ils attendent certainement quelqu'un d'important. Oui, je crois que c'est ça. Il y a les hommes du général. Allez voir où il l'emmène. Ouais. Très bien, je vais vous y conduire. Vous pourrez l'apercevoir, mais promettez-moi de ne rien faire contre mon père. Des incapables qui laissent tuer un officier. Demandez votre pardon.
Maître, c'est l'homme que nous cherchons depuis des mois. Mais il ne veut rien dire. Oh, je saurai le faire parler, je vous le promets. Il ne dira jamais rien. Tuez-le. Maître, j'ai une idée. Peut-être que ce serait mieux de l'exécuter sur la place publique demain matin. Il servirait d'exemple. Debout, suivez-nous. Debout, vite. Ici. Voici les bâtons. Venez. Pitié, pitié, monsieur. Soyez avec moi, les enfants de Dieu. Un voleur! Soyez avec moi, les enfants de Dieu! Tu m'as honte de servir de Dieu pour voler? Tu iras tout droit en enfer, crois-moi! Dis-moi, qu'est-ce qui se passe ici? Chez Serpao, il fait une exécution. Allons-y, c'est un spectacle rare. Ah, très bien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? C'est le moment, il faut agir. Oh là là, regardez, allez, voilà. Attendez. Oh, je le connais. Qui c'est? Tu connais, toi? Non, comment ça n'arrange pas? Qu'est-ce qu'il fait, ça? Tu es prête? D'accord. Siapao est le chef de cette ville qui l'a rendu prospère. Les paysans ont leurs propres champs et leurs maisons, en payant de très petits loyers. Chacun mange à sa faim et personne ne manque de rien. Mais pourtant, vous n'êtes pas satisfait. Vous êtes avide et insatiable. Oui, car rien ne vous arrête. Vous êtes des sangsues. Vous refusez de payer les taxes. Il nous faut vous menacer, ce qui nous attriste. Je continue. Regardez cet homme. Il a tué sans raison un connétable du maître. Il l'a tué, pourquoi? Il ne le sait pas lui-même. Il va être exécuté pour avoir offensé notre bon maître, Siapao, qui nous nourrit tous. Maître? Fongé, exécution. Fongé, tue-le. Non, arrêtez! Laissez-moi le tuer! Je veux venger mon père! C'est moi qui dois le tuer! Et lâchez-moi! Je vous en supplie! Je veux laver l'honneur de mon père! Laissez-moi le tuer! Regardez bien! Lâchez-moi, voyons! La preuve même que les détruits de notre maître sont haïs! Mademoiselle, je vous le laisse. Merci, monsieur. Ah!
comment vous sentez-vous? Je me sens mieux, merci. Tenez, prenez ça, ça vous fera du bien. Asseyez-vous tous les deux. Et pourquoi avez-vous tué cet homme? Il vous avait fait du mal? C'était le messager de Siapao, qui, il y a un mois, l'a envoyé en mission pour rencontrer le général Chang. Il ne fallait surtout pas qu'il parle de son entrevue avec Chang. Siapao est très ambitieux et cruel. J'essaie à ma façon de contrarier cette ambition. Et tu crois que tu y arriveras? Ouais. Tu ne peux pas comprendre. Si, je peux comprendre. Allez, dors, laissez-nous. Eh, dis, ne sois pas fâché, mon nom est Yen Lei. Vous avez 3 jours pour les retrouver, pas un de plus. Après, vous savez ce qu'il vous arrivera. Et toi? Toi, mon fils, comment as-tu pu combattre avec ces gens contre moi? Je suis contre vos méthodes. Quoi? Père, vous oppressez le peuple. Quoi? Suis-moi immédiatement. Mon père était furieux après moi. J'espère, Chua, que vous n'avez pas changé d'idée. Yen Lei m'a dit que votre père veut faire la guerre avec le général Chang. Je lui donne tort, mais il est mon père. Chen Li, pour moi, c'est difficile. Je respecte beaucoup mon père. Ma mère est morte, j'avais 2 ans. Chen Li, essayez de me comprendre. Impossible de compter sur lui. Il est du côté de son père. Oh, j'en ai assez. Ah, nous allons tous nous déguiser. Oh, mieux vaut préparer notre défense. Oui, j'ai trouvé. À toi de jouer. Il me donne rendez-vous. Maître, vous ne devez pas aller à ce rendez-vous. Laissez-moi faire. Oui. Dis-moi, tu as peur? Bien sûr. Tout le monde a peur devant la mort, Chen Li. Shu m'a dit que son père était imbattable en kung-fu. Que jamais personne ne l'avait battu. Nous devons être très prudents. C'est vrai. Attention, numéro 4!
Parti dans la forêt. Pourquoi? Mais pour tuer Yen Lei. Ah!
Mon père. Qu'il aille en enfer, votre père. Regardez notre maison. Elle est détruite et je vais le tuer. Tais-toi, Pingui. Venez avec moi. Non. Arrêtez. Je vous en supplie, laissez-le. Je dois le tuer. Caleb. Oh, dis oui, Yann.